Bienvenue dans le quartier de Champfleury, à Voisins-le-Bretonneux, au sud de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en lisière de la forêt domaniale de Port-Royal, qui a fêté récemment, en 2020, ses 50 ans. Nous allons maintenant explorer ce quartier historique de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis la création, on l'a dit, on en est bien sûr revenu aux années 70, le début de l'opération Ville Nouvelle sur le territoire, entre juin et novembre 1969, où les premiers permis de construire sont signés pour créer ici ce quartier de Champfleury avec l'opérateur Kaufmann & Broad. Et c'est un événement en soi, puisque en réalité, c'est l'une des toutes premières opérations de l'opérateur américain en France. Ces nouveaux villages ou villages de maisons individuelles, un modèle américain porté, dit-on, de Californie, aussi avec des influences anglaises, hein, de cités-jardins. Et ici, on a voilà, un certain nombre de maisons individuelles, alors, sous différents formats, qui sont réparties sur trois terrains au sud de la commune de Voisins. Donc on le voit, on est posé ici dans ce parc paysager où ces maisons sont disposées. On l'a vu sans clôture à l'américaine, tout est ouvert avec cette idée donc de promenade qui traverse ces quartiers avec des espaces aussi jeux pour les familles. Ce décor champêtre qui est associé au projet de création de ce lotissement. C'est l'architecte Gérard Ferrer qui a décliné ce modèle d'habiter à l'américaine en reprenant bien sûr ses grands fondamentaux des propositions Kaufmann & Broad et en l'adaptant et en l'aménageant un petit peu bien sûr dans ce contexte. On retrouve 5 modèles de maisons avec des nuances bien sûr d'espace et d'aménagement. Alors avec des noms forcément très champêtres, chèvrefeuille, dahlia, bruyère, aubépine et églantine. 3 modèles qui sont de plein pied et isolés les uns des autres en autonomie et 2 autres modèles qui sont accolés avec étage. Le nombre de maisons qui ont été construites ici est assez important, 382 maisons avec donc cette configuration particulière que nous avons derrière nous. Et bien voilà, on arrive au terme de notre visite à l'entrée de ce quartier proche du centre-ville de Voisins-le-Bretonneux. L'occasion de rappeler que ces opérations se sont ensuite développées ailleurs, dans d'autres coins de l'agglomération, notamment au Manet à Montigny-le-Bretonneux. Et nous vous invitons à vous abonner pour nous retrouver pour les prochaines balades. À bientôt !